Même les autorités religieuses de cette république islamique, des religieux qui ont cautionné la loi, ne veulent pas qu'on ternisse l'image de la Mauritanie. La preuve, cet imam, plutôt progressiste. Il cultive, lui aussi, le déni. Il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. C'est une chose qu'il faut attester, authentifier, tel qu'il est connu sous ce terme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça n'existe pas. Et donc, on ne doit pas incriminer la Mauritanie, on ne doit pas l'identifier comme société où existe un phénomène qui n'existe plus. On doit reconnaître à la Mauritanie que c'est une société, comme toutes les sociétés du tiers-monde, où se trouvent des séquelles, mais des séquelles en voie de disparition. Siège de SOS Esclaves. Boubacar Ould Messaoud, fondateur de l'association, se bat lui férocement depuis 30 ans contre l'esclavage. Malgré les menaces, les arrestations, la prison, il tient bon. Elle s'appelle comment ? Salka. Salka. Mes frères et ma mère ont besoin d'aide. Ce sont des esclaves ? Oui, ce sont des esclaves. Chaque fois que je rencontre un esclave, une esclave, j'en souffre. Vous savez, c'est tellement dur que quand vous savez que vous êtes issu d'une famille esclave, que vous êtes dans une société où les gens pratiquent l'esclavage, ou que ces gens-là considèrent l'esclave comme un être inférieur, et eux-mêmes se considèrent comme des êtres supérieurs. Et ces gens-là n'hésitent pas à dire tous les jours que l'esclavage n'existe pas, alors que vous êtes fils d'esclaves, et que vous savez qu'ils mentent, et que vous savez qu'ils ont l'avantage sur vous. Quel avantage ? C'est cette soumission. Et devant vous, devant l'Occident, tout le monde joue un théâtre. Les Mauritaniens jouent un théâtre. L'État mauritanien joue un théâtre depuis 50 ans sur cette question de l'esclavage. Et effectivement, j'en souffre, moi. Depuis très longtemps, j'ai considéré que si je fais quelque chose de bon dans ma vie, c'est participer à la libération des esclaves. Et je le fais pour moi, pour ma mère, pour mes cousins, pour des gens comme moi. Et parfois, ça m'amène très loin. Parce que la vie d'esclave n'est pas facile. Retour à la caravane. Elle fait une halte dans un campement pour la nuit. Ici, loin de la capitale, dans la brousse, la loi officielle n'intéresse personne. On s'en moque. C'est encore la tradition qui prévaut. La tradition qui donne au maître les pleins pouvoirs, comme celui d'affranchir son esclave. Pour affranchir un esclave, d'ailleurs, le maître rédige un certificat qu'on exhibe ici. Avec fierté. C'est une décision de son maître de la rendre libre. Elle date du 8-12-2000. C'est un papier personnel du maître. C'est personnel du maître. Sans aucun témoignage administratif. C'est lui qui certifie avec sa propre main qu'il libère cet esclave en telle date. Gatrik annak menen atti.
Mais tu sais que l'esclavage a été aboli. Pourquoi as-tu besoin de ce papier? Les gens m'ont dit que la loi d'abolition n'était pas valable. Que ce qui est valable, c'est uniquement le certificat de mon maître. Mais pour toi, c'est un papier légal? Oui, c'est la loi musulmane. Ici, tout le monde perçoit l'esclavage comme un dogme de la religion islamique. Ça se traduit dans des faits de soumission quasi religieuse au maître et à l'esclavage. Parce qu'il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître, parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Quand ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam n'est pas esclavagiste, mais l'islam n'est pas aussi particulièrement anti-esclavagiste. L'islam ne délégitime pas l'esclavage, quand même. C'est-à-dire l'islam n'interdit pas l'esclavage. Ce matin, la caravane arrive à Mederdra, ultime étape pour les chasseurs d'esclaves. Arrêt chez le préfet. Les militants doivent obtenir son autorisation pour arracher la sœur de Bilal. Sur place se trouve aussi le gendarme qui a participé à l'enquête préliminaire. Un gendarme qui aurait tenté d'étouffer l'affaire. Là aussi, nous filmons en caméra cachée. Oui, moi, je suis Biran Wildahoulaye, conseiller du président de la Commission nationale des droits de l'homme, venant pour un cas d'esclavage avéré ici, à Mederdra. Nous voulons récupérer cette dame. Nous voulons la libérer. L'application de la loi. Les membres de la commission ont fait un rapport au président de la République que leur intime conviction est que cette dame est retenue en esclavage et qu'il y a une volonté manifeste des autorités de ne pas la libérer. Donc il y a une connivence entre les autorités et le maître de cette dame. Les gars, vous nous attaquez directement, là, c'est pas un problème, nous sommes des professionnels. Vous nous demandez excuse. Je crois que la gendarmerie, c'est encore institutionnel. Nous sommes là, nous sommes des gens qui sont très honnêtes. Tu es en train d'enfreindre la loi. Tu n'as pas à attendre à intervenir quand c'est un cas d'esclavage. Quel est constaté comme cas d'esclavage? C'est un cas d'esclavage. Tu nous as délégué, m'empêche ou non? Moi, je n'ai pas vu ça. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas l'esclavage, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire une enquête juste. Et il refuse de faire l'enquête en attendant des plaintes qui n'arriveront jamais, parce que l'esclavage, c'est un crime de droit commun. Et le ministère public doit diligenter une enquête de lui-même parce qu'il défend la société. C'est pas une personne qui porte plainte qu'on défend. On défend la société. Il y a une commission des droits de l'homme. Sont occupés qui doivent statuer. Moi quand même, ils ont statué. Ils ont dit que vous avez joué un jeu avec les maîtres. Ils ont parlé même de moutons. Ils ont parlé de moutons même. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont dit que le maître il donne beaucoup de moutons à toutes les autorités qui l'inquiètent et comme ça, on n'est pas inquiété. Je suis en parfaite harmonie avec ma conscience. Je n'ai jamais vu de ma vie une injustice. Ça n'a rien. Ça, je vous le dis. Et vous pouvez vous informer. C'est un phénomène un peu difficile. Il faut qu'on s'unisse pour voir le vaincre. Il le faut. La lumière, moi, je tiens à ce que ce soit fait sur ça. Et je le ferai. Et je le ferai, je suis sûr. Finalement, le préfet tient parole. La caravane part pour la brousse pour débusquer la sœur de Bilal et son campement.
Avec nous, le gendarme qui doit dresser le procès-verbal. Mais va-t-il cette fois appliquer la loi ? السلام عليكم. أين راجل من الصقاعات قال له عبد الله أبو المختار. بلد منزلته هو. بعيد والله قريب. هو الأمير هي. الأمير هي. المكسب اللي هو. إيه. يربط حد معه توه. هو بسير بيجي عليك بالشرب له. وما يسقي له الحاسة. الله يلا. خادم وذيك ما جات. اليوم ما جاء. كانت كل نارجي. لاجي لاجي. لاجي. اليوم الصناعة رفعت ما طلعت سامي. آه. أنا أعرف أنا مالي يا سيدي. وجاتهم شاء كمان قلت له بعد خادمه ما قال لي قال لي يا خادمه بعد نو نو لا لا درك لا نفس الشيء اللي عدت النهار شوفوا مين من تسمعت تحت راي واقف قدامي شو راي Et si elle n'était pas esclave, nous ne partons pas dans le vide. C'est une esclave. Ici, en Mauritanie, chacun connaît qui est qui. Pourquoi son frère n'est pas avec elle? Pourquoi ils ne sont pas une famille? Son frère vient la réclamer parce qu'elle est esclave. Son père vient dire que sa sœur est esclave. Il connaît, tous les gens ici connaissent que ces gens, cette famille, c'est l'esclave de telle famille. Une des esclaves de naissance. السلام عليكم. ساري. خير. الخير. حبي راعي يا نفس هذه كرتي. ايه. ولا تكيس اخي. بلاك حز عن جندر ما يخلي ما عدوش شغلته. هي أراي اللي لعب ولا كشري. نو نو حنا هذا كشري حلو ده. ما أنا الله ما عندنا كشري. من تو هاي لا؟ من تو هاي؟ ما سكوا جس كشري كلاس كشري كيكري. Donc non, nous avons, nous, non, on vient pour l'amener. Voilà, c'est ce qu'il faut dire, voilà. Vichard, tu peux parler, on va faire doucement. Non, parce qu'on prend, il ne faut pas continuer. Regarde. Je regarde. Elle-même regarde ici, elle-même. On ne va pas regarder, si vous avez... Tu es où là? Tu es où là? Tu es où là? Si vous ne voulez pas l'amener, ça c'est votre travail. Ce n'est pas à nous de l'amener, c'est vous l'administration. خويد من قباد نقول لك انا انت بشويد محتي والله خويد السلام عليكم شفت خويا مرق طرتي ماني ماشي معاه وداني خاركه معاه وداني دحسه والله يا اخا ما تمشي والله ما تمشي والله عبد الله ومنته ولا ترتر ما انا بعماره
انا ماني خايف.